donc les principaux défis majeurs qui devraient être pris en compte dans l'élaboration de la prochaine stratégie mondiale postale tournent principalement autour de la question de la remise à niveau des infrastructures, la digitalisation des bureaux de poste, l'harmonisation aussi des législations des différents États pour arriver à la définition d'une politique globale commune est également un défi. Mais il y a aussi la question sur le rajeunissement et le renforcement des capacités des personnels postiers. Parce que souvent, on a remarqué en Afrique, les agents des postes sont souvent d'un certain âge et le renforcement des capacités pour s'arrimer aux nouvelles technologies ne suit pas. Alors, à côté de ces défis, il faut également penser à la coopération. La coopération, donc, qui va nous conduire à l'interopérabilité des différents postes dans les différents États membres de l'UPU. Et cela nous aiderait donc effectivement à atteindre la mutualisation, non seulement des infrastructures, mais aussi la mutualisation des ressources, ce qui conduira évidemment à la réduction de la facture des infrastructures des postes, mais également à la réduction de la fracture numérique, mais aussi à l'interconnectivité des États membres en matière de postes. Donc, pour conclure, je dirais que la résolution des problèmes des postes africaines en silo doit impérativement faire place à une politique commune globale des postes africaines, et mon pays, le Gabon, est favorable avec cette approche.